le Pegasus. Je vais vous montrer trois différentes entrées pour rentrer dans cette figure. Donc à partir d'un twist and grip, à partir d'un V classique et à partir d'un inside leg, d'un scorpion. Allez, c'est parti. Je vais vous faire du plus simple au plus compliqué, je pense, pour moi, au début, pour apprendre, et après, bien sûr, à essayer de voir ce qui est le mieux pour vous. Pegasus avec une entrée en scorpion, en inside. Donc, V, inside. On s'ouvre vers l'extérieur, on vient attraper la barre, on remonte la main le plus haut possible pour venir placer le coude. Vous voyez, mon coude n'est pas encore posé, ce n'est pas grave, il se fera après. Pendant que le corps va vers le bas et que la main du bas vient attraper la pole, l'autre main reste bien accrochée en haut sur la pole. La jambe de derrière passe sur le côté. Vous allez tirer fort dans votre bras du haut et pousser sur votre bras du bas pour venir vous passer sur l'épaule à l'arrière. Vous voyez, de là à là. Pour créer un espace pour le passage de la main du haut. Vous vous asseyez un petit peu pour vous poser sur votre coude. Vous pouvez voir que la jambe du haut descend légèrement pour laisser le poids du corps tomber sur le coude du bas. Et vous relâchez. Et enfin, pour maintenir la position, il faut pousser fort avec le coude du bas et bien tenir sa cuisse avec la main du haut. Une solution, à partir d'un V, on va accrocher le pied intérieur pour le Pegasus. V. J'accroche le pied, je relâche, je détends, je regarde vers le sol, je viens attraper la barre, je remonte. Là, je laisse glisser le pied du bas et la main du bas pour pouvoir bien me poser sur mon coude. Je peux relâcher, passer ma main, attraper. Je dis pied et main du bas, mais bien sûr, c'est pied et main du haut. Hop. Troisième entrée à partir d'un twist and grip. Donc vous rentrez comme vous voulez dans un twist and grip, que ce soit par un crucifix inversé, par un deadlift ou quoi. C'est pareil. On est là. On va faire de la même manière, accrocher la jambe intérieure, laisser glisser la main du haut, tourner la main du bas pour se poser sur le coude, passer la main et relâche. Et voilà, ce sont les trois entrées pour moi le plus simple pour entrer dans un Pegasus. Passez une bonne journée les filles!